Okay. Regarde ce vélo, c'est une horloge. Il était droit sur les barres de. Ça va faire 2 ans que je travaille à CCF là. Et c'était ton combienième Rhône-Alpes-Isère Tour ? C'est mon 2e Rhône-Alpes-Isère Tour avec CCF, ouais. Le mécano, sur une course par étapes, il va entretenir les vélos, les laver les soirs de course. Il va réparer toute casse durant les étapes. Il va vérifier les boyaux, les pneus pour repartir en course. Et puis les pièces d'usure. Et tu le sens comment? Ah franchement, assez bien, on verra. L'étape du jour, elle ressemble à celle d'hier, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très sélective, piégeuse, usante, mais pas très sélective. Donc c'est pas le profil qui va faire la sélection, plutôt voilà, les mouvements de course. Il va falloir avoir le nez fin pour arriver à apercevoir quand faire son effort avec qui. Un peu une part de loterie. J'ai toujours une certaine pression avant. On a toujours pas envie qu'il se passe rien du tout, quoi. Le moins on nous appelle, le mieux c'est, à part pour la gagne. Mais ouais, toujours une appréhension. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Hier, c'était un peu bizarre avec l'échappée. Mais je pense aujourd'hui, tout le monde est motivé, et oui. Pendant les courses aussi, c'est d'assister le directeur sportif, surtout toutes les échappées, les compositions, tous les classements intermédiaires aussi, quand on est concerné. Attention au circuit, hein. Allez Antoine, allez, allez. Allez Antoine, allez. Là, intervenir à 10 km de l'arrivée, ouais, c'est compliqué. C'est pas le moment d'avoir un souci. Ouais. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est vraiment au mauvais moment, dans un circuit, donc les voitures super difficiles à remonter, donc les coureurs aussi sur un accident mécanique, donc là ouais, c'était pas le bon moment. Le truc c'est que je suis parti du peloton dans la bosse, tout seul, et je suis rentré sur l'échappée,
Et le truc, c'est qu'on s'est refait piquer à une borne de l'arrivée. Ah, c'est dommage, j'avais fait. Moi, je les ai bien lâchés dans la piste. Maintenant, pour toi, la journée n'est pas finie en fait. Non, c'est le nettoyage, les réparations pour ce qu'il y a à faire. Donc là, je vais vérifier le vélo d'Antoine qui est tombé tout à l'heure. Et puis la crevaison de Nicolas aussi. Et après, tout devrait aller.